tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, il fait même déjà un petit peu trop chaud à mon goût. Mais aujourd'hui, je reviens affublée de mes lunettes de soleil et de mon magnifique chapeau pour vous parler de mes produits favoris pour l'été, ces produits qui ont changé ma vision de l'été. Donc si jamais ça vous intéresse, continuez à regarder. Tout d'abord, un produit qui m'aide à aimer l'été, c'est tout bête, mais c'est un nouveau traitement pour mes allergies. Donc en fait, à la base, je prenais des traitements depuis que je suis toute petite. En fait, j'ai des allergies très fortes aux graminées, au pollen, etc. Et je ne savais pas sortir de chez moi jusqu'il y a encore peu, où mon cher voisin m'a aidé à découvrir un traitement qui a super bien fonctionné pour moi et qui fonctionne encore super bien maintenant, ce qui me permet clairement de pouvoir sortir, parce que sinon en temps normal il n'y a pas moyen, c'est franchement une galère. Donc on peut dire que ça c'est quelque chose qui m'aide déjà beaucoup, mais il y a des produits cosmétiques que j'aimerais vraiment vous parler qui sont vraiment super sympas pour l'été, ce sont beaucoup de mes essentiels d'ailleurs pour l'été et donc voilà. Le premier produit dont je vais vous parler est un indispensable pour l'été parce que qui dit été dit bronzage et qui dit Adeline dit jambes d'aspirine. J'ai un teint extrêmement blanc, donc vous pouvez déjà le voir en temps normal, mais c'est vrai que du coup comme je montre très rarement mes jambes parce que je déteste mes jambes, du coup elles ne sont pas bronzées et dès que je vais mettre une robe ou une jupe ou un short, je me sens mal parce que j'ai les jambes extra blanches comparées à mes bras, à mes épaules, etc. qui ont un petit peu bronzé. Mais j'ai trouvé une solution et cette solution elle s'appelle Dove Summer Glow. Donc c'est un lait corporel que l'on peut utiliser tous les jours et ce qu'il a de particulier c'est qu'en fait il a une touche d'auto-bronzant dedans. Et c'est vraiment super pratique pour moi parce que non seulement ça fonctionne mais en plus ça hydrate la peau en même temps. Donc c'est un petit peu un 2 en 1 hyper pratique. Donc merci Dove qui crée souvent des bons produits pour ça. Et donc voilà, donc c'est un produit que j'aime beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas fait de photo d'avant après de mes jambes, je n'y ai absolument pas pensé. Donc j'ai fait une photo il y a 2 jours et je l'utilise encore parce que mes jambes sont encore fort blanches, parce que ça va petit à petit, donc ça se voit pas aussi fort qu'un auto-bronzant. Parce que justement, c'est ce que je recherchais. Donc j'ai testé des auto-bronzants et ça n'allait absolument pas pour moi. Ça me faisait des jambes oranges, que là ça me fait vraiment un teint bronzé, comme si j'étais restée au soleil. Donc j'aime beaucoup plus ceci qu'un auto-bronzant. Je pense qu'il était dans les 8 € et quelques parce que je l'ai acheté donc chez Smatch, une petite, un petit magasin que j'ai apporté de chez moi avec tout ce qui est alimentaire, etc. Donc je l'ai trouvé là-bas, je ne sais pas quel prix il a ailleurs, mais le lien sera en barre d'infos. Un autre produit pour le corps mais qui n'a rien à voir avec l'été cette fois-ci, sauf peut-être son parfum, c'est un lait corporel de nouveau de chez The Body Shop et c'est mon favori à la mangue. Donc si vous me suivez depuis quelques temps, vous l'avez déjà vu dans pas mal de mes favoris du mois et c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment pile poil l'odeur que je recherche pour l'été. Donc j'aime beaucoup la papaye, le fruit des dragons et la mangue. Et du coup voilà, bon celui-ci je l'ai depuis pas mal de temps, je pense que ça fait même plus d'un an que je l'ai. Et ah, c'est une tuerie, il est frais. Il sent extrêmement bon et surtout il hydrate merveilleusement bien la peau. Donc on peut dire que c'est un essentiel pour moi pour l'été parce que j'adore tout ce qui est un petit peu fruité et puis il fonctionne vraiment super bien. Une petite chose qui n'a pas vraiment de rapport avec l'été de nouveau mais qui est vraiment importante pour moi parce que j'adore ça, ce sont les brumes corporelles de chez The Body Shop et cette fois-ci j'ai craqué sur celle à la pêche de vigne et ça sent divinement bon, c'est super rafraîchissant et c'est léger comparé à un parfum. Donc le parfum j'adore, je suis vraiment fanat de parfum, j'ai 2 parfums que j'aime énormément mais c'est vrai que les brumes corporelles c'est léger et je trouve c'est moins marquant, moins lourd qu'un parfum. Donc voilà, donc celle-ci c'est donc la pêche de vigne de chez The Body Shop et je sais que moi je l'achète au magasin Outlet près de chez moi donc je ne l'ai pas au prix que l'on peut trouver dans toutes les boutiques de Body Shop donc moi je l'ai pour moins cher et voilà donc je ne sais pas vous dire le prix exactement mais comme tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo, toutes les informations, les liens etc. seront en barre d'infos. Bien évidemment, un de mes indispensables, c'est la crème solaire et pas n'importe laquelle parce que moi j'utilise donc, je pense que c'est une Nivea, je ne suis plus certaine, je pense que j'utilise un Nivea mais ce qui est très important pour moi c'est d'utiliser l'indice 50 parce que j'ai une peau de blonde, j'ai pas mal de grains de beauté et ma peau ne peut pas être trop touchée par le soleil. Les coups de soleil c'est vraiment la chose que j'attrape en premier lorsque je vais dehors sans mettre de crème. Donc voilà, mais ça ne m'empêche pas de bronzer, je bronze quand même quand je m'étale au soleil, mais c'est extrêmement rare. Donc voilà. Du coup, qui dit bon bronzage dit bon gommage, et pour ça j'utilise le gel exfoliant de chez I Love, et c'est celui Raspberry et Blackberry.
Et il sent vraiment super bon, il est efficace. Le seul petit point que je reprocherais, c'est que ses grains sont pas assez fins. Pour ça, il y en a un vraiment très bien chez The Body Shop de nouveau, mais je ne l'ai pas encore acheté, donc je ne sais pas encore vous dire exactement si je l'apprécie ou non. En attendant, j'utilise celui-ci que j'avais reçu pour mon anniversaire et il est vraiment très très bien, il sent très très bon et c'est juste génial. Donc j'exfolie toujours mon corps avant de mettre ma crème auto-bronzante ou de mettre ma crème solaire et d'aller m'étaler au soleil parce que mon bronzage est beaucoup plus uniforme après et c'est meilleur pour ma peau parce que ça enlève toutes mes petites peaux mortes et ça permet à ma nouvelle peau de se faire colorer correctement. Là ici je vais aborder un petit sujet sensible parce que je sais que les pieds c'est quelque chose que beaucoup de gens détestent, moi y compris. Mais en été j'adore porter des sandales et le souci des sandales c'est que ça assèche mes pieds. Donc j'ai les pieds qui deviennent plutôt secs et c'est pas hyper agréable, j'aime avoir des petits pieds tout doux. Et pour ça j'ai trouvé une solution toute récente, donc en fait c'est une crème de chez Kruidvat et c'est une crème pour les pieds. Donc elle nourrit la peau, je sais qu'il y en a une autre pour soins réparateurs intenses, quelque chose comme ça. Moi j'ai pris celle-ci qui est quand même un soin intensif quotidien et je la trouve vraiment super. Donc elle adoucit bien mes pieds et le mieux c'est d'utiliser une râpe avant et puis de mettre le produit. Attention de ne jamais utiliser une râpe sans hydrater vos pieds après ou même d'exfolier n'importe quelle zone sans hydrater après parce que c'est super mauvais et ça vous crée encore plus de sécheresse ça va vous abîmer la peau. Donc ici pour les pieds c'est exactement pareil, si je râpe d'office après je mets ma crème et de toute façon je mets cette crème tous les jours et elle est vraiment très très bien, je vois vraiment un changement sur mes pieds en 4 jours donc ça vaut vraiment la peine. C'est beaucoup de vraiment mais ça vaut le coup. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je cherche à tout prix à éclaircir mes cheveux parce que je suis le blond que vous voyez ici et mon blond naturel. Mais normalement en été il s'éclaircit beaucoup, donc chaque année en été j'avais vraiment un super beau blond bien clair. Mais cette année je trouve que ça ne fonctionne pas aussi bien. Alors est-ce que c'est parce que tout d'un coup il fait très beau puis vraiment dégueulasse puis très beau puis vraiment dégueulasse, je n'en sais rien. Mais du coup mes cheveux n'éclaircissaient pas, donc j'ai testé. Donc dans mes vidéos Do It Yourself, il y a une vidéo où je vous montre un masque pour éclaircir ses cheveux et il fonctionne vraiment très bien. Le souci c'est qu'il prend pas mal de temps et en ce moment, si vous me suivez de nouveau depuis quelques semaines, vous savez que je n'ai pas le temps, je cours partout. Même là je suis en vacances depuis une semaine et j'ai pas eu l'impression d'avoir de vacances parce que j'ai eu des trucs tous les jours. Vu que je n'ai pas le temps de me tourner vers mes super soins pour éclaircir mes cheveux parce que je n'ai pas de temps pour moi, je me suis tournée vers la solution facile et cette solution facile s'appelle Spray Soleil de chez Garnier. Donc c'est un spray pour les cheveux blonds naturels à châtain et c'est bien naturel, attention que les cheveux colorés ça ne fonctionne pas. Donc c'est un spray qui va venir éclaircir de plusieurs tons votre couleur naturelle. Ça se fait petit à petit bien que moi je brise un petit peu les règles et je ne suis pas du tout patiente, donc je l'ai utilisé plus de fois que nécessaire cette semaine. Normalement c'est une fois semaine pendant 3 semaines, on laisse poser un mois et puis on recommence. Moi je l'ai fait déjà 3 fois cette semaine mais c'est la dernière parce que je ne veux pas avoir mes cheveux abîmés. Je sais que mes cheveux s'abîment très rarement mais voilà, je voulais juste un petit effet sans abîmer mes cheveux, donc pour cette semaine c'est terminé. Et voilà, donc est-ce que ça fonctionne? J'ai envie de dire oui parce que même si c'est mon blond naturel, on voit déjà qu'il y a quelques éclaircies dans le bas de mes cheveux et c'est vraiment ça que je veux, en fait je veux une éclaircie naturelle et du coup c'est vraiment ce que je recherchais, donc mes cheveux ont l'air déjà plus blonds, plus clairs et ça fait vraiment du bien parce que ça donne un effet soleil, l'effet soleil que j'ai chaque année dans mes cheveux et que je n'ai pas cette année. Mais je trouve que là ça se voit déjà bien, ou alors c'est parce que je suis dans une lumière spéciale, je ne sais pas, mes cheveux on voit déjà fort, donc je pense que je vais arrêter déjà un petit peu et laisser reposer mes cheveux naturels. Je vais terminer cette vidéo par le produit miracle de cet été. Donc c'est un produit que j'ai trouvé sur un groupe internet sur lequel je suis et c'est un groupe de filles un petit peu plus rondes, un petit peu comme moi, ou en tout cas qui ont ce même souci que moi. Donc je ne sais pas vous, si vous êtes mince normalement vous n'avez pas le souci, mais moi j'ai les cuisses qui frottent quand je mets une jupe ou un short plus court. Et du coup le problème c'est que en frottant l'une contre l'autre elles brûlent et je finis par avoir des brûlures sur les cuisses. Alors dit comme ça, voilà, c'est pas très très sexy on va dire, mais c'est la réalité pour certaines d'entre nous. Et du coup, j'ai trouvé la solution pour ne plus avoir ces frottements, ne plus avoir ces brûlures. Il s'agit de la crème Uriage et c'est la Bariderm. Et c'est une crème isolante réparatrice.
Donc je l'applique quand je mets un short comme aujourd'hui ou une jupe. Je l'applique sur l'intérieur des cuisses et sur ma cuisse en général. Bon, pas le côté extérieur mais le côté intérieur. J'en applique généreusement, je fais bien rentrer le produit dans ma peau et je suis vraiment tranquille pour la journée. Alors attention, je tiens quand même à préciser que les cuisses continuent à frotter. La seule chose qu'il y a de différent, c'est qu'à ce moment-là, ça ne brûle plus et ça ne fait que se frotter l'une contre l'autre. C'est vrai qu'au début, je me suis dit que ça allait peut-être faire un effet de talc, que ça n'allait plus frotter et que du coup, ça n'allait plus nous embêter. Mais ça n'est pas ça du tout, donc ça évite juste d'être brûlé et que le frottement fasse mal. Donc je ne sens plus rien au niveau frottement, ça continue à frotter parce que voilà, même si j'ai perdu pas mal de poids, j'ai quand même toujours mes cuisses qui se frottent l'une l'autre, malheureusement. Mais voilà, donc ça fonctionne vraiment super bien et je suis vraiment contente de mon achat. Alors ce n'est pas un achat léger puisque c'est quand même 13 euros le pot qui part assez vite. Mais franchement, je le rachèterai une fois vite, je le rachèterai sans problème pour l'été parce qu'il est vraiment parfait et ça m'a changé ma vie pour l'été. À moi les jupes sans devoir mettre un short et du coup crever de chaud en dessous. À moi les shorts maintenant que je peux oser remontrer mes jambes. Bref, beaucoup de choses et beaucoup de plaisir pour cette crème. Donc si vous avez le même souci que moi, surtout allez voir le lien en barre d'infos. Surtout que j'ai trouvé un lien sur internet où elle est moins chère qu'en pharmacie en Belgique ou peut-être en France, je ne sais pas, mais en Belgique en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous jure que ce produit est pour moi miraculeux. Je dis bien pour moi, si ça tombe pour vous, ça n'ira pas, mais pour moi, ça fonctionne vraiment bien. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ces produits vous auront tenté et intéressé. Si jamais vous avez n'importe quelle question sur ces produits ou que vous connaissez vous aussi des produits miracles qui aident à passer un été merveilleux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire mon site internet avec sa rubrique blog, ma page Facebook, mon Instagram et mon Twitter. Retrouvez-moi donc sur tous ces réseaux sociaux où je suis dessus tous les jours, donc je poste des choses un petit peu partout tous les jours. Et chaque réseau social a ses posts différents, donc normalement on ne trouve que très rarement des posts similaires sur mes différents réseaux. Sur ce, je remets mes lunettes et mon chapeau et je repars de ce pas au soleil. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour ma prochaine vidéo. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo qui m'a été énormément demandée.